l'argent qu'on devait enlever pour le président. C'est-à-dire? Ah, mais c'est-à-dire, si il y a 400 000 tonnes, vous devez distraire une partie pour le président. Vous étiez Premier ministre, vous l'acceptiez? Mais il doit vivre aussi. Et puis, vous ne pouvez pas refuser ça. Il peut du jour au lendemain vous sanctionner. Vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez procureur général de la République, il ne vous empêchait pas d'être en dehors de vos tâches. Quand il vous demandait ou exigeait de l'argent, et vous l'avez accepté. Mais il ne peut vivre que de ça. Je ne peux pas le lui refuser. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Parce que certains pensent que si cet argent avait été utilisé à autre chose, le pays serait mieux. Je ne sais pas. À Brazzaville, est-ce que le président prend dedans le pays ne s'en sort pas? Qu'est-ce qui a manqué au Congo alors pour que ce soit mieux? Si le président ne prenait pas beaucoup, le pays aurait été mieux. Mais il prenait beaucoup. À un moment donné, je me retrouve avec les Libanais. Et c'est les Libanais qui lui procurent maintenant de l'argent. Alors, je lui dis, mais l'argent que les Libanais procurent vient toujours de chez nous. On dit oui, mais et ça vient de chez nous, mais c'est eux qui m'apportent. Je dis, mais nous allons être leurs prisonniers. Alors, je dis, il me dit, et qu'est-ce que je dois faire? Je dis, laissez les Libanais, nous devons nous débrouiller nous-mêmes. C'est vous qui chassez les Libanais et comment cela se passe sans les Libanais? Mais je chasse tous les Libanais. Et au début, ils me regardent faire. Et après, il dit, tu vois maintenant, je n'ai plus rien. Il dit, non, vous avez encore.